un jour ou l'autre, je sais que la police viendra chez moi pour une sombre histoire de meurtre ou pour me fournir des yogourts à la myrtille, à moins que ce ne soit plutôt pour l'affaire de cette madame Muller. De rage, je jetterai mes chats par la fenêtre du 12e étage. Je rentrerai mes gosses dans le ventre de ma femme et je leur dirai: renseignez-vous à l'agence des amants de madame Muller. Messieurs de la police, je ne suis qu'un pauvre musicien. Je joue de la chasse d'eau dans un orchestre de free jazz. Vous êtes un peu barjot, mais je suis un peu naze. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fous? Vous êtes fous? Non! Non! Arrêtez! 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 Oui, c'est moi. Monsieur le commissaire, vous savez, c'est pas tous les jours facile de vivre en société quand on a un peu d'imagination. Monsieur le commissaire, j'ai ma névrose, mais monsieur le commissaire, qui n'a pas sa névrose? Renseignez-vous à l'agence des amants de madame Muller. Je n'ai absolument aucun alibi. Ce soir-là, justement, j'étais sur un coup foireux. J'étais entré dans un bar tabac et j'avais demandé un paquet de cigarettes filtre et 3 timbres à 100 balles pour poster des lettres à quelques amis. Elle est entrée à ce moment précis. Nos regards se sont touchés intérieurement. J'ai craqué. J'ai craqué. J'ai collé mes 3 timbres à 100 balles sur mon paquet de cigarettes filtre et j'ai fumé mes lettres. Je ne suis pas le mari de madame Muller. Depuis longtemps, je ne suis plus son amant. À l'agence des amants de madame Muller. Monsieur le président, cet insoupçonnable et somptueux inconnu était vêtu d'un sweater de couleur pastel et d'un jean taillé dans de la toile d'emballage de la manufacture des armes et cycles de Saint-Étienne. Quand nos regards se sont identifiés, j'ai simplement prononcé ces quelques mots. Dis-moi qui tu suis. Je te dirai
qui je hais. Elle m'a répondu: prends-moi, prends-moi, prends-moi. Alors je l'ai prise et nos corps se sont mélangés sur le bitume du trottoir, devant les yeux déchirés et hagards des badauds. Renseignez-vous à l'agence des amants de Madame Muller. Entre ces quatre murs, je ne sais vraiment pas quoi faire pour calmer mon amour. Bien sûr, deux fois par jour, un infirmier entre dans ma cellule pour contrôler et poinçonner mon ticket. Que ce souvenir, ce souvenir.